Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. Suite et fin du congrès des élus départementaux et régionaux, où en sont les discussions sur l'avenir de la Guadeloupe, nous y reviendrons dans cette édition. L'homéopathie sera-t-elle encore remboursée par la Sécurité sociale? La Haute Autorité de Santé devrait donner sa décision finale sur la question ce vendredi. Et enfin, focus sur le trafic de l'aéroport de Guadeloupe du mois de mai, un trafic en hausse comparé à l'an dernier. Deuxième et dernier jour de débat sur les enjeux pour la Guadeloupe de la réforme constitutionnelle. Les élus locaux et régionaux étaient réunis pour le 15e congrès organisé par le département à Basse-Terre. Au terme de ces deux journées de réflexion, des conclusions devraient être portées au gouvernement. Marius Mathieu nous en dit plus. Deux jours, pas un de plus, pour débattre autour d'une révision du statut de la Guadeloupe. Dans ce 15e congrès, orchestré au palais du département à Basse-Terre, Josette Borel l'Incertain, ainsi que l'ensemble des élus locaux et régionaux, prennent la parole. Députés, sénateurs, maires, présidents de région, chefs de parti, et même un citoyen en colère ont livré leurs réflexions autour du concept de différenciation territoriale. Autrement dit, permettre au territoire d'acquérir de potentielles nouvelles compétences dans le cadre de la réforme constitutionnelle initiée par le gouvernement. Je suis pour que nous ayons soit une collectivité, soit une assemblée à la carte. C'est nous, Guadeloupéens, qui devrions choisir ce que nous voulons pour pouvoir mieux fonctionner, pour avancer. Mais pour cela, comme je le dis, il faut que tout ce que nous mettons en œuvre, que nous allons faire, il faut le faire avec la population, mais surtout avec notre cœur. Si on aime la Guadeloupe, on fera que du bien pour la Guadeloupe. Mais alors, quelles différenciations peuvent être établies en matière d'organisation territoriale? Lors de la deuxième journée, l'universitaire Pierre-Yves Chicot a décortiqué avec pédagogie le concept, fort de son expérience en Guyane, qui, comme la Martinique, a déjà évolué vers une collectivité unique. Les conclusions de ces débats devraient servir de base pour entamer une négociation avec l'État. Qu'il y ait un statut de la minorité, qu'il y ait un pouvoir renforcé pour le tribunal administratif, qu'il y ait un pouvoir renforcé pour la Chambre régionale des comptes, qu'il y ait un pouvoir autrement plus fort, plus renforcé pour la population, pour les citoyens, qu'on ait ça. Là, pour le moment, on est au début d'un processus. Nous allons bâtir un projet, un programme qui nous servira à négocier avec le gouvernement. C'est en fonction de ce que dira le gouvernement et on verra comment faire. Au terme de ces deux journées de réflexion autour des enjeux pour la Guadeloupe de la réforme constitutionnelle initiée par l'Élysée, des résolutions seront rédigées et transmises au gouvernement. L'homéopathie ne sera bientôt plus remboursée par la Sécurité sociale. En tout cas, la décision officielle devrait tomber demain. La Haute Autorité de Santé a tranché et la décision ne plaît pas à tout le monde. Reportage de Camille Riwal. Ces petits tubes colorés sont devenus familiers. 77% des Français ont déjà eu recours à l'homéopathie. Mais ce traitement pourrait bien ne plus être remboursé par l'assurance maladie. Pour cette pharmacienne, cela ne sera pas pour autant un frein pour les patients. Il y aura un impact. Bon, les gens, je pense qu'ils vont quand même l'acheter. Ils vont se tourner à ce moment-là vers la phytothérapie. Et je pense qu'ils vont continuer l'homéopathie, puisque les gens qui sont déjà tournés vers l'homéopathie ont des résultats. Puisqu'en fait, les gens combinent souvent tout ce qui est médecine chimique et ils aiment beaucoup ce qui est naturel, de plus en plus. Si la plupart croient en les bienfaits de l'homéopathie, 30% des Français n'y voient qu'un effet placebo. En général, j'en prends pas parce que moi, quand je prends quelque chose, je veux que ça fonctionne tout de suite. Et c'est trop doux par rapport aux médicaments homéopathiques. Je trouve que c'est important. Parce qu'en fait, on utilise des plantes naturelles au niveau de l'homéopathie. Et donc, je pense que c'est important de revenir aux sources et utiliser des plantes naturelles pour pouvoir se soigner. Assez souvent, les effets secondaires des médicaments sont un peu inquiétants. Et je trouve que l'homéopathie, c'est une bonne alternative. On veut supprimer et le paiement par la sécurité sociale. Et comme nous sommes âgés, on aime bien parce qu'il y a des gens qui perdent la mémoire et qui ont besoin un petit plus et qui ne peuvent pas payer ça. Alors, ce serait bien dommage.
La Haute Autorité de Santé livrera son verdict demain, mais pour l'instant, la quasi-unanimité s'est prononcée pour l'arrêt du remboursement au cours du vote. Seule une voix s'y est opposée. Une première étape de terminée aujourd'hui pour les collégiens de Guadeloupe qui passent actuellement le brevet national. Après les mathématiques et le français, ce vendredi sera consacré aux épreuves de sciences, d'histoire, géographie et de langue vivante. Pour rappel, plus de 6000 élèves sont convoqués à cet examen dans l'Académie de Guadeloupe. Le trafic de l'aéroport Paul Caraïbe toujours positif depuis le début de l'année. Les chiffres du mois de mai 2019 révèlent une augmentation du trafic de 3,7% comparé à l'an dernier. Le bilan de ces 5 premiers mois demeure alors positif, toujours en comparaison avec 2018. Le trafic de l'aéroport Paul Caraïbe en hausse pour le mois de mai 2019. Avec plus de 160 000 passagers transportés hors transit, l'aéroport a connu une progression de 3,7% par rapport à mai 2018. Plus en détail, le trafic vers l'Amérique du Nord diminue de 9%, en cause la fin des liaisons en direction d'Atlanta. Toutefois, la destination Canada reste très attractive avec plus de 86% de croissance par rapport à mai 2018. Les vols entre Pointe-à-Pitre et la France hexagonale connaissent eux une progression de 8,3% avec plus de 99 000 passagers transportés. Au niveau régional, une baisse de 8,5% a été observée, notamment en raison d'une forte diminution du trafic entre la Guadeloupe et la Martinique impactée par l'offre de transport maritime. Et plus largement dans la Caraïbe, hors Antilles françaises, l'on note une augmentation de 16,9%. Il en résulte que les 5 premiers mois de l'année 2019 enregistrent une augmentation du trafic de 4,2% comparé à l'an dernier, avec un nouveau record d'1 149 000 passagers, transit inclus. Et le trafic de l'aéroport Paul Caraïbe devrait continuer sa progression suite à ce beau coup de projecteur fait à la commune de Terre-de-Haut. En effet, la ville saintoise concourait au prix du village préféré des Français dans un programme diffusé sur France Télévisions. Et parmi les 14 candidats de cette année, la troisième place a été remportée par Terre-de-Haut. Des élèves de 3e du collège Alexandre Macao ont décidé de partir au Bénin dans le cadre d'un voyage scolaire, une opération orchestrée par le TMA Festival en collaboration avec des équipes pédagogiques de Guadeloupe et d'Afrique. À cette occasion, un dîner de gala est organisé vendredi soir à l'hôtel La Cocoteraie à Saint-François, un événement dont l'artiste Princesse Erika est la marraine. Vendredi soir, il y aura un dîner gala. Pour clôturer en fait le festival TMA et ensuite il y aura un petit showcase de moi-même et avec le groupe Tropical Sound qui clôturera la soirée. Et donc ça vient un petit peu pour comme je disais, clôturer tout le périple, tout ce qui s'est passé avec TMA. Bon, moi, j'ai pas pu faire tout, c'est-à-dire aller avec les enfants au Bénin et revenir ici avec les souvenirs et tout ce qu'il y avait à raconter. La transmission par la musique, l'art et la culture, c'est de ça dont ça parle. Et c'est essentiel d'éduquer nos enfants, mais aussi de leur montrer qu'ils ont un passé et un actif. Voilà, c'est un peu ça, TMA. Bien chanter avec les gens d'ici, quoi. Et il se trouve que Tropical Sound, ils ont répété quelques-uns de mes morceaux. Donc là, on va aller tester ça et j'espère que ça sera très bien vendredi soir et que ça sera calé et que vous serez ravis. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Suite et fin du congrès des élus départementaux et régionaux, les discussions sur l'avenir de la Guadeloupe et une possible réforme constitutionnelle continuent de faire débat. L'homéopathie sera-t-elle encore remboursée par la Sécurité sociale? La Haute Autorité de Santé devrait donner sa décision finale sur la question ce vendredi. Et enfin, focus sur le trafic de l'aéroport de Guadeloupe du mois de mai, un trafic en hausse comparé à l'an dernier. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition d'information sur ETV.